La mort de Ouattaro, plus qu'une leçon pour la jeunesse qui souhaite s'engager dans la politique. Suivez d'abord la vérité. Elle est cachée en vous, au fond de votre cœur. Mourir pour la vérité est une grâce. Si Ouattaro pouvait encore parler de la rébellion, de ses babus, viols, assassinats sommaires, les élections de 2010, le Golfe, la crise post-électorale, c'est sûr qu'il révélerait beaucoup de torts qu'elle a causés à la Côte d'Ivoire. Il regrette certainement, mais trop tard, son rôle dans cette rébellion absurde. Ceux qui vous utilisent vous lèchent, vous lâchent, comme un chewing-gum qui n'a plus de saveur, mais enfin vous lèchent parce que vous en savez trop. Oui, Ouattaro, le sable bleu, commandant des FS malgré son niveau, colonel et colonel-major, commandant de la grande garde républicaine ivoirienne devant des officiers. C'était le temps de la lèche. Lorsqu'il décida d'exprimer ses propres convictions, il fut lâché et démis de ses fonctions. Faut-il le laisser circuler librement? Non, il en sait tout. Certains parlent d'empoisonnement, mais par qui? Je n'en sais rien. Mais j'ai une inquiétude. À qui le tout? Repose en paix, colonel major. La